Hello tout le monde, bon je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. On est parti dans un nouveau vlog, on est mercredi 9 je crois février. Donc aujourd'hui mercredi 9 février, il est à peu près 7h du matin, je me suis réveillée à une petite heure. Alors, j'ai pris mon petit déj, rangement, tout à l'heure en fait je m'en vais, donc ce soir je prends le train pour Paris. En général je suis à Paris en début de semaine, mais là du coup je vais à Paris aujourd'hui, ce soir, parce que je fais jeudi vendredi à Paris, parce que samedi je pars au ski. Je suis trop contente, ça fait hyper longtemps que je n'ai pas été au ski. À la base je voulais partir toute seule, mais j'ai mes parents qui me rejoignent et c'est cool aussi, je suis contente de passer un petit peu de temps avec mes parents, avec les gens que j'aime et les gens qui m'aiment, donc voilà, on va dire que c'est le plus important. Donc ce matin, le programme, je prépare un peu mes affaires, j'ai rendez-vous à courir avec Hugo, donc voilà, on va se préparer tout doucement et c'est parti, let's go. Bon là je suis en train de préparer un peu mes affaires, je vous avais déjà montré en story, mais j'ai un problème avec les Vans. J'adore les Vans, je crois que mon budget Vans a explosé l'année dernière, voilà, et j'en ai encore plein d'autres hein. Celle-ci c'est mon frère qui me les a offertes à Noël, celle-ci Chloé me les avait personnalisées, j'ai elle qui avait été aussi un cadeau que j'aime trop, et où est-ce que... ah ils sont là, j'ai elle aussi. Et je crois que j'en ai encore 2-3 autres à Paris, voilà. Là c'est le petit miroir où je fais mes stories le matin, comme vous voyez, avant de me préparer, hop, juste à côté, ici vous avez le tableau qu'un abonné m'avait fait après l'enduromane, hop, avec la date, hop, mon temps, etc. C'est trop cool. Là j'ai mes petites médailles de tous mes Ironman. Hop. La belle médaille de l'enduromane avec mon numéro. Je suis la 28e personne au monde à l'avoir terminée. Mais mes médailles de marathon, elles restent dans une petite boîte. Bon, c'est un peu le bordel. Je vous montre un peu les affaires que je prépare pour le ski et le rangement que je fais. Mais au moins, il y a du tri. Donc du coup, quelle heure est-il, Marine Leleu, quelle heure est-il? Il est 7h51. Je vais chausser mes baskets, mettre mes petites chaussettes livres et on est parti pour aller courir. En plus, je crois qu'il fait super beau aujourd'hui. Enfin, je pense qu'il fait bon. Bon, le soleil n'est pas encore hyper levé. Trop bien. Bon, pour ceux qui m'ont suivi en story, je me suis coupé les cheveux toute seule sous la douche. Peut-être que je vous donnerai ma technique, mais j'ai peur que tous les coiffeurs me renient, je crois. Mais bon, ça fait un moment que je fais ça. Ça fait très longtemps que j'ai pas été chez le coiffeur, des années. Et du coup, je fais ça toute seule sous la douche. J'ai une technique infaillible, les gars. Du coup, là, hop, je vais m'attacher un peu les cheveux. On va aller courir. Non, mais c'est n'importe quoi. Maintenant, je vais vous faire des tutos coiffure. Donc, les petites chaussettes, Live, Shut Up and Run. Hop, les petites baskets. Tac, tac, tac. Bon du coup, sortie run, je suis plutôt contente. Dimanche j'ai couru un semi-marathon, j'ai couru en 4,54, un truc comme ça. Donc pas trop mal, après du coup pour une reprise. Et surtout comme je dis, j'ai pas forcément envie de m'étaler sur le sujet, mais j'ai pris un peu de poids, j'ai pris je pense au moins 3-4 kilos. Encore une fois, c'est pas grave, ça va se perdre petit à petit, etc. Mais outre le fait que je me sens pas bien dans mon corps, etc., et bah c'est lourd. 3-4 kilos pour courir, c'est lourd. Les coureurs pourront le dire. Imaginez, vous courez 2-3 heures avec un poids de 3-4 kilos dans le dos. C'est lourd, voilà. Donc bon, je suis contente de courir à cette allure par rapport à ma forme physique du moment. Ça, c'est cool. Et du coup, donc aujourd'hui, on est mercredi. Je me suis entraînée lundi assez léger. Hier, j'ai fait des bons entraînements plutôt cardio. Et aujourd'hui du coup 13 km, j'étais plutôt bien dans les jambes, donc j'ai fait 4,5 km pour retrouver Hugo, enfin j'ai fait des petits allers-retours parce qu'on habite moins de 4,5 km. Enfin bref, donc du coup j'ai fait 4,5 km, j'ai retrouvé Hugo, on a fait 7 km ensemble, le tour des deux ponts ça fait 7 km. Et du coup c'est vrai que bah du coup on court un peu plus vite avec Hugo, désolé j'ai encore du coup, j'ai un problème avec ça. Donc Hugo court pas mal, assez vite, du coup c'est pas mal, ça me permet d'avoir un bon rythme. Et après je suis rentrée, j'ai fait 2 km pour rentrer tranquillou. Donc ça me fait 13 avec une bonne allure de 5 minutes au kilomètre pour aujourd'hui, c'est très bien. Et quel marathon je vais faire? C'est un marathon qui est en avril, donc c'est un marathon, je vous donne des indices mais vous allez forcément trouver, c'est un marathon qui est en Europe, c'est un marathon qui est au soleil. Et c'est un marathon avec du dénivelé, donc clairement c'est pas là-bas que je ferai un record. Avec pas mal de dénivelé, du coup voilà, c'est comme ça. Mais le but c'est de passer un bon moment et puis il y aura forcément toujours Chloé qui sera là pour m'accompagner et ça va être trop cool. Bon, j'enchaîne, j'ai rendez-vous à 10h30 et je vous retrouve plus tard.
Yo, bon, comme vous voyez, je vous retrouve plus tard. Je suis au QG, live. Voilà. Du coup, hier après le run, j'avais un rendez-vous pro. Plutôt pas mal. Peut-être que ça va se concrétiser pour la suite. Pour l'instant, on est en train de discuter un petit peu avec les différents intervenants. Voilà. Il n'y a personne aujourd'hui. J'ai mon sac pour le ski avec mon bazar. Mes petits gants, tout ça et tout. Hop, ma petite salle de coaching pour tout à l'heure. Voilà, tout à l'heure j'ai des coachings, j'en ai eu aussi un petit peu ce matin. Voilà, voilà. Du coup là il est 14h, ce matin j'ai bossé, je me suis entraînée aussi, c'était très très cool. Du coup je suis en train de bosser sur un projet sur du skierg. Vous allez participer d'ailleurs, je pense que je lancerai ça en story dans les prochaines, peut-être la semaine prochaine. Voilà, donc si vous voulez faire beaucoup de skierg, si vous êtes intéressé par le skierg et si vous voulez faire un projet trop cool avec moi, restez connectés en story. Ok, bon, il est 20h, presque 20h. Je sors de mon dernier rendez-vous et je vais rentrer chez Chloé. Voilà, ce soir, je dors chez Chloé. Quand je suis à Paris, j'ai différents endroits pour dormir et donc du coup, ce soir, je dors chez Chloé. Soirée copine, voilà. Comme je dis toujours, Chloé, c'est ma meilleure amie, mais aussi mon associé et mon agent. Et ce soir, c'est soirée copine. Voilà, enfin bon. On va se coucher très tard. Hein. On est plutôt des poules. On se couche tôt. Je pense qu'à 22h et plus personne, 21h30 même peut-être. À chaque fois que j'arrive dans sa rue, ça me fait trop penser à mes départs. Mon départ de Paris-Bordeaux à vélo, c'était ici. Et mon départ de Paris-Espagne que j'ai avorté, c'était aussi ici. Donc ça me rappelle pas mal de souvenirs. Hello tout le monde, bon on se retrouve, on est vendredi matin. Mon état, c'est un peu ça. Chloé a des photos de moi chez elle. Ah oui, j'en ai pas mal quand même. Voilà, ça c'est Chloé qui a des photos de moi. Qu'est-ce que t'as d'autre? Ah, ça c'est mieux. Voilà. Du coup ce matin, réveil avec les yeux tout gonflés. Voilà. Petite nuit, une bonne nuit de sommeil. Le programme ce matin, ça va être entraînement. Et après, je vous retrouve au bureau. On va tourner un Reels ensemble. Je vais vous montrer un peu les petites coulisses d'un Reels. Alors c'est pas du tout compliqué, pas du tout. Mais du coup, il y a mes nouveaux leggings que j'adore. Vous savez, c'est les Vital Seamless avec lesquels j'ai couru le marathon de Paris avec, en noir. Et là, il y a des couleurs. Et c'est vrai que ça change. Je suis pas très couleur, dit la fille avec des tapes des deux couleurs sur les épaules. Mais ça change. Même couleur que là-haut. On a reçu un mail parce qu'il y a quelques années, c'était combien de temps? Il y a en 2000. Oula, 2015. En 2015, j'avais mes gifs. Tu l'as toujours en vrai? Tu peux montrer à quoi ça ressemble? Et je trouve ça génial. Alors moi je l'utilise pas du tout et à chaque fois j'ai des potes qui me répondent avec des gifs. Voilà, c'était ça. Je trouve ça trop cool. Et du coup, là je la mets en story, mais on peut le mettre dans les messages et tout. Donc du coup Chloé va essayer de voir si on peut en avoir des nouveaux. On va les remettre à jour parce qu'ils sont un peu vieux. Voilà. C'est pour YouTube. L'annonce du jour aujourd'hui, nous avons ici Pascalou qui nous fait le petit training. Voilà, je pense que ça va être pas mal. Nous sommes à R2, c'est une salle où je vais à Paris souvent quand je m'entraîne, avec le petit slogan toujours faire face. Voilà, je vais vous montrer ça. Ok les gars, donc fin de training, hop, je me réhabille vite fait, je vais au bureau prendre une douche et après j'enchaîne sur des coachings, sur les petits reels que j'ai à tourner cet après-midi. C'était trop cool en tout cas, j'aime trop m'entraîner avec les copains, c'est chouette. Ça change, ça stimule, ça motive et ils sont trop forts et je les aime trop. Voilà. J'ai beaucoup coaché cet après-midi, pas mal de coaching parce que comme je pars après là j'ai pris des gens un peu plus, pas mal de montage aussi ici. Là il me reste une dernière personne en coaching et ce soir je vais dîner avec les copines. Voilà. Bon, samedi matin, fin du vlog. Préparation des affaires, voilà, on voit les petites chaussures de Chloé, juste là, voilà. Préparation des affaires pour partir au ski, voilà, j'ai beaucoup d'affaires, mais parce que quand on part au ski, on a beaucoup d'affaires. Mais voilà, bref, en tout cas, j'espère que ce vlog vous a plu, j'espère que ça vous a plu de me suivre un petit peu dans mes petites journées, et puis on se retrouve au ski, je vais essayer de tout filmer, tout vlogger. Je vous fais de très gros bisous, et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!